14 Victor Eco 27, 14 Odeur 027 au signal, 73 à toi et à toute ta petite famille, et je te retourne au micro. Pour passer le câble et
bon, bah tant mieux. Et pour le tuyau, tu as mis un chapeau pour pas que la merde aille dedans. Alors j'ai bourré en fait le tuyau qui est plus petit, qui va dans le plus grand, en fait j'ai bourré pour éviter que la terre rentre et tout ça, donc ça devrait bien se passer. Et j'ai trouvé un tuyau pile poil dans la bouteille, donc j'ai recoupé la scie à métaux là proprement, parce que bon, le tuyau il avait éclaté, donc j'ai redégagé la terre autour, j'ai recoupé proprement bien droit, et puis ensuite j'ai remarché un tuyau là-dedans, là, donc un bout de tuyau que j'ai acheté chez Romain ce matin, donc voilà, c'est nickel, je suis sorti pour pas trop cher. Allez, parce que fallait bien réparer tes conneries, hein. Je rigole. Ah, moi j'aime bien rouler des pelles, moi. T'as vu, hein, il s'est fendu la gueule, le tuyau, il n'y a pas de problème, il a bien aimé mon coup de pelle. Dans la clé, c'est pas très grave, quoi. Ce qui me gênerait, c'est qu'une station sur Bordeaux m'en
Michel, on t'entend pas mal dans le SD1, ça c'est pas hyper fort, mais on t'entend bien, distinctement.
péter le record ce soir, il y a du monde. Thank you.
vidéo qui tourne. Donc c'est pour ça que je profite d'occasion, puis en plus il n'y a pas grand monde, donc là c'est impeccable pour parler technique justement dans ce domaine. Et côté logiciel, qu'est-ce que c'est et auprès de qui il faut le demander? Je retourne bosser. Ok, ok, ben retourne bosser. Je vais parler tout seul, Cyril qui est parti. Non, il y a Michel, pardon. Le logiciel, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un type qui est au Pays-Bas qui l'a fait, et je sais plus son nom, c'est un truc imprononçable. Jean avait réussi à prononcer son nom, donc bon, très bien, mais moi je m'y aventurerai pas, c'est facile. Donc il faut montrer un petit peu pas de blanche hein, pour que le nom en question fournisse son logiciel. Il faut expliquer ce qu'on compte faire, quelle bande de fréquence on va couvrir, quelle antenne on veut utiliser et tout. Il faut expliquer un petit peu les motivations du truc. Ce qu'il cherche à faire, c'est avoir de la qualité plutôt que de la quantité. Donc c'est d'avoir des SDR qui montent, qui fonctionnent bien et qui couvrent des zones et des bandes de fréquence qui sont pertinentes. Plutôt que d'avoir beaucoup de SDR qui reçoivent que dalle. Donc moi c'est pour ça que j'assure aussi qu'il y a une connexion internet suffisante et tout ça. Donc bon, après on raconte ce qu'on veut, hein. On peut raconter donner des fausses informations, mais bon c'est stupide. Donc voilà, faut un petit peu faire une petite carte de motivation pour avoir le droit d'utiliser ce logiciel-là qui n'est pas libre du tout. Hein. Qui n'est pas libre et puis après il faut l'installer sur un ordinateur de type PC qui tourne sous Linux, ça ne fonctionne pas sous Windows. Et puis après il y a de la configuration, faut avoir comme quelques compétences informatiques hein, pour se lancer là-dedans. Voilà. Je ne sais pas qui fait le retour, je ne sais pas Eric si tu. Rémi était toujours là, mais sinon Eric tu reprends si tu es revenu. Ou sinon, à toi Michel. Vous parlez technique, allez-y. En tout cas, c'est intéressant comme expérimentation, tu vois, Michel, là, parce que bon, c'est un petit câble de 75 ohms en triple blindage. Hein. Il y a deux couches d'aluminium et une tresse tout autour. C'est une couche d'aluminium, ensuite une tresse et ensuite une recouche d'aluminium. Et puis voilà, il n'y a pas l'air d'avoir trop de peur, pourtant on a normalement une soixantaine de mètres. Enfin, je prendrai le temps de mesurer le reste de la bobine pour savoir exactement combien j'en ai mis. Mais il y a une bonne soixantaine de mètres à mon avis, pour aller de l'antenne jusqu'au garage où j'ai mis l'ordinateur. Et bon, manifestement, il n'y a pas trop de pertes. Hein. Donc bon, c'est une expérience intéressante. Ce sur quoi je vais être assez vigilant par rapport à ce que tu disais hier dans le QSO, c'est la longévité du câble, à voir si ça dure bien longtemps et que le câble ne se dégrade pas trop. Donc j'irai le voir de temps en temps, surtout qu'il y a des endroits où il passe carrément dans la terre, hein, j'ai pas mis de gaine autour, donc c'est le câble tout seul, donc j'irai voir de temps en temps voir ce que ça donne et voir si les intempéries le dégradent pas trop. Qui aime le plastique, alors c'est surtout là qu'il faut faire attention, mais apparemment ça fonctionne bien, mais il y a quand même, c'est comme moi, tu vois, là quand je parle dans mon micro pour passer sur la radio, ça me fait un écho comme si la cuvette était ouverte. Et toi, quand tu parles, parce que tu parles directement depuis chez toi, et je parle, ce que tu dois parler sur un appareil, et tout le temps, ça crée sous le R sur un autre appareil. Alors, ça fait une petite résonance. Alors, c'est pas gênant du tout, hein. Je te dis simplement ce que moi je ressens. Mais ce n'est vraiment pas gênant, hein. Alors c'est vrai qu'il y a un retard, hein. il y a à peu près une demi-seconde de retard entre le moment où l'antenne capte un signal et le moment.
moment où toi tu l'entends sur l'ordinateur, il y a au moins, ouais, au moins une bonne demi-seconde. Hein, donc forcément ça c'est un peu bizarre. Peut-être que je vous perturberai.
c'était pour vous prévenir. Comme ça, au moins, on ne pourra pas dire que je n'ai pas prévenu. Eh bien, c'est très bien comme ça, c'est très bien. Je te dis, enfin, peut-être arrêter les cigarettes et puis comme ça, c'est très bien. On va y arriver. Voilà. Allez, la bonne soirée à tout le monde. Donc, tu es sourd, moi je m'en vais ailleurs. Bye. Ok, 73 Thierry, merci pour ton passage. À une prochaine, vous voyez. Ok, bye bye. Radio-télescope là à l'observatoire de Florac, si que tu peux prendre
avec comment elle s'appelle, celle qui joue dans l'Ivan Lecteur, celle qui fait l'enquêtrice, là, Judy Foster, qui écoute les vidéos de l'espace. Ah oui. Il est passé à la télé il n'y a pas longtemps. Il est repassé à la télé il n'y a pas longtemps. C'est elle, c'est une recherche. Et justement, elle écoute l'espace et puis elle reçoit des signaux. Et puis après, dans ces signaux, elle déchiffre que c'est un message. Et puis, il y a toute une histoire. Quoi. Et Bruno, tu as entendu en direct sur toi ou quand même. C'est vrai, bonsoir. Bonsoir, je parle pas fort. On m'a dit de parler moins loin du micro, là, si. Michel, quelle direction, quel azimut,
c'est possible de se mettre avec sa directive et sa direction. Non. J'ai envie de faire caca.
dernière installation, apparemment, non? Bah écoute, j'ai joué un petit peu avec le poste, et ça fait pas fondre la bestiole, donc ça va. T'es le meilleur. Tu regarderas vers moi, quand Ludo y parle, vers le 28, là, sur le WSDR, t'as deux barres. J'ai été écouté moi tout à l'heure sur les fréquences sur le 28, mais ça sort pas. Ça sort uniquement sur le web, mais pas sur la rameur, vraiment quoi. Ah ben il vaut mieux. Ça serait gênant si ça sortait sur le 28. Je sais pas si t'es connecté là, mais t'es juste là, les quatre lignes où ils parlent, tu vas voir. 28 les poussières, il y en a devant. Hein. Ok. Et il n'y a rien qui sort, donc c'est juste un truc d'image.